Bonjour, je suis Maxence Cause, je suis à l'ISA Strasbourg en année préparatoire hybride. La prépa hybride consiste à avoir des cours à temps partiel en anglais. Donc par exemple avoir des cours en architecture, en design graphique ainsi que de l'éco-design. Tout ça en anglais et avec des supports anglais. Je suis venu à l'ISA Strasbourg parce que avant j'avais effectué un BTS dans l'agencement intérieur et je voulais voir un peu plus le côté créatif des choses. Et ce qui m'intéressait le plus du coup c'était de voir plutôt dans les années supérieures le côté architecture. Si je devais donner l'ambiance générale de l'école, je dirais une ambiance familiale, où on est tous proches les unes des autres, les uns des autres, les unes des autres aussi. Les atouts de la prépa hybride, c'est de se former aux cours en anglais et de pouvoir ensuite peut-être envisager de partir à l'international. Et les bons points de l'ISA en soi, c'est le fait d'être tous proches, d'avoir cette connexion avec les années supérieures, de pouvoir ensuite échanger et même être aussi proche de l'administration peut parfois être un bon atout. Mon meilleur souvenir reste le workshop, une semaine, un projet, une technique imposée et mélangée avec toutes les années supérieures. Que ce soit première année, deuxième année, troisième année, que ce soit en architecture ou en graphiste, on réalise ce projet sous la supervision des quatrième année. Les conseils que je pourrais donner à un étudiant à l'ISA Strasbourg qui voudrait envisager de venir en hybride, ce serait de déjà s'intéresser à la partie anglaise de la formation et aussi de s'organiser au mieux pour réaliser ses projets. Parce que mine de rien, on a du boulot et ce boulot, il faut y donner de la passion.